Mas é tu, se eu vou te dar só, porque o próprio é do Santage. Vamos lá, se eu quero só. Chaud pour ce pauvre Franky, cette histoire dans les bains. Désolé, mauvais jeu de mots. En tout cas, Tony DeRazio a du mal à contrôler les politicards de la ville à cause de vous. Et c'est pour ça qu'il a ordonné à Franky de garder un œil sur les impériales. Dans ce genre de situation, le moindre faux pas est mortel. Comment vous allez gérer Franky? La balle est dans son camp. J'ai compris. On se voit plus tard. Si vous tuez Bernard, prévenez-moi, d'accord? Oui, bah j'aurais cru tous les mecs. Bernard vivra. Le petit Bernard. Petit Bernard, 15 ans, retrouvé. Retrouvé pendu. Retrouvé pendu par la bite. Ah, je vous parle salement. Merci. Certains disent que les musiciens sont des artistes. Mais c'est sûrement vrai. Mais en ce qui concerne la musique, on ne peut pas penser ces coups de pinceau comme le font les peintres. Il faut que ce soit instinctif. Je vais te casser le cul à ça. Non, on dira pas. Conduis comme s'il y avait le diable en trousse. Laisse-moi t'emprunter ta bagnole, ma belle. Envoyez-nous des agents par ici. On signale un vol de voiture en centre-ville. Merci aux unités du secteur d'intervenir. Ah, ce qui a monté à 120, celle-là. Sur le logement équitable. Excusez-moi. Mon Dieu. Il y a eu un de ces raffus au chantier de récup cette nuit. Ça, c'est quoi? Dégage, on n'a rien à se dire.
Sortez-vous de là. Il doit y avoir une balance. Autrement, personne n'aurait pu savoir pour cet endroit. Il y a eu un panneau de bienvenue quelque part. Ce connard l'a refroidi. Je le vois, il est là. Appelez les poulets. Merde. Je me mets à couvert. Barrez-vous de là. Bonne nuit. On a des comptes à régler maintenant. J'espère qu'ils cavalent pas pour rien. Dégage de mon chemin. Meurs en premier. C'est un genre. Je veux pas mourir. Débarrasse-toi. Bah là où il peut pas te choper. Je peux pas bouger d'ici. Il est là. Je fais le cul de la monnaie. Je me débarrasse de mon oseille en centre-ville. Pas de problème, Poussin. Je suis en chemin. Je te débarrasse. Regardez-moi ça au chaud. Je vais directement à la banque. C'est plus facile que de virer. Publicité merdique à la radio. Je croyais que Frankie t'avait chargé. Barrez-vous de là. Quoi? Oh merde. Qu'est-ce qu'il est fait cavaler comme ça? Pardon. Hey, qu'est-ce qui se passe là-bas? Hey, c'est... Oh mon Dieu, ils sont tous morts. Attention. Hein? T'as vu un panneau de bienvenue quelque part, toi? Ce type là, il est armé, c'est un flingue qu'il a dans la main, l'autre. Vous devez voir ça de plus près. Pardon. Quoi? J'ai rien vu du tout. C'est la météo. Je serai pas contre un. Tu fais peur à tout le monde, fiston. Tu fais peur à tout le monde, fiston. Je me dis qu'il serait temps d'élargir ta clientèle, Frankie. Tu crois que tu pourrais suivre? Ouais. En revanche, ça m'étonnerait que ton idée apprécie. Des radios, c'est mon problème. Contrôle le centre-ville. J'ai besoin d'aide pour le tenir. Du coup, c'est tout le...
en faire. Tu dois comprendre que c'est qu'une question de respect. À partir du moment où chacun s'en tient à respect, du pénitien, comment allez-vous? Très cordial. Et je voulais vous dire, si ma mère était vivante, elle serait hyper fière de moi et de tout ce qu'on fait ici. Et c'est grâce à vous, monsieur Clay. Pardon! Viré a fermé à ce que dit mon fils. Arrêtez que Pompeyo est parti. C'est ce que j'ai dit à ma femme la nuit dernière. Battre la campagne comme des putains de gitans pour leur boulot, au bout d'un moment, ça peut devenir mauvais pour notre mariage. Et surtout pour lui. Ah, arrive un moment où vous posez des valises quelque part. Le négro contrôle les bacs publics. Ah, bien pris. Je vais faire ça, quoi. Envie de cueillir ton idée.